Salut à tous, Sire Expansif. Alors aujourd'hui, je vous fais une toute petite vidéo juste pour vous présenter le déguisement. Alors, le déguisement, il n'y a pas 36 000 choses. Le déguisement, ça permet de quoi? De s'infiltrer dans des endroits de la map où il y a une présence d'ennemis par rapport à notre faction. Donc, par exemple, là, je suis bandit. Donc les bandits, si on se réfère à mon curseur, je suis ennemi avec Clear Sky. Et pourtant, pour ceux qui reconnaissent, je suis avec des mecs de Clear Sky. Donc, comment j'ai pu faire ça? Parce que je me suis équipé d'une armure de mercenaire. Et ils croient que je suis mercenaire. Sauf que, bah, je suis pas un mercenaire en vrai. Et c'est bien toute la subtilité de la chose. C'est que, si vous voyez... Mercenaires, ils sont neutres et avec Clear Sky. C'est-à-dire que là, si je remettais une armure, si j'enlevais mon armure ou que je me fais détecter, ils vont savoir que je suis bandit et là ils vont commencer à me tirer dessus. Donc en fait c'est très simple pour se déguiser, c'est pas super dur. Hein. Regardez, je vais vous montrer une petite chose parce que ça reste quand même pas simple. On va se mettre un peu loin, histoire que les personnes de Clear Sky ne voient pas. Ah merde. Bon, je vais faire vite. Là. Je vais mettre une suite. With this outfit, most stalkers will assume you're part of the Freeloader community. Pareil, ils sont tout à fait friendly avec, enfin neutre. Là, on va aller s'abriter parce qu'il y a le truc. Hop. Voilà. Et là, pareil, il me voit pas. Enfin, il me tire pas dessus. Alors que pourtant, je suis bandit. Alors, vous allez me dire comment les ennemis peuvent nous. Dans quelle situation les ennemis peuvent nous repérer? Alors, il y a plusieurs choses qui vont déterminer que les ennemis nous détectent. C'est le fait d'être trop proche des alliés. Regardez, je me mets très proche d'un allié. Alors bon, là il bouge en permanence, mais normalement, si je suis proche et que je montre mes armes, il y a un petit logo en bas qui commence à grandir. Je le baisse pour éviter que ça augmente trop. Mais là, les barres vertes en bas de l'écran, au milieu, c'est une barre indicatif qui détermine si vous allez être plus ou moins découvert ou pas. Donc, bah, s'il n'y a rien, personne ne va vous cramer. Si la barre commence à être haut, donc là on va s'enlever, tu vois. On va se mettre à découvert, donc c'est pas très grave. Ah, attendez, je vais juste vous expliquer un petit truc. L'armure, il faut qu'elle soit le plus réparée, parce que si l'armure n'est pas bien réparée, on va vous cramer plus rapidement. Et on va vous repérer plus facilement. Voilà, you have been discovered. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se découvre. Et on se met à découvrir. Donc c'est 6 ou 7 barres. Voilà. Si c'est cette barre, là vous êtes à découvert. Donc le mieux souvent c'est de pas montrer ses armes. Et
quand vous voyez que vous faites découvert, vous montrez. Bah, vous cassez en fait, tout simplement. Voilà. Et je vais mourir pour le bien de la science. Voilà. C'était Hyrexpansif. Et on se voit pour un autre tuto. Salut!